Cette révolte chilienne, c'est différente, c'est unique. C'est la première fois après le coup d'État, ça veut dire après 30 ans, 40, 35 ans, que le Chili se réveille d'une façon massive. Et ça, c'est nouveau, complètement. C'est pas comme autre chose qui sont passées au Chili. C'est la première fois que 1 200 000 personnes sont dans les rues. Ça, c'est une masse énorme. Et il n'y a pas de consignes politiques directes. Ils sont des réclamations de la mauvaise santé, mauvais état de vie en général. C'est inconfortable d'habiter au Chili. Il manque beaucoup de choses encore. Ça veut dire que ce n'est pas une chose à moitié entre la Chambre des députés et les gens. Il faut mélanger plus ça. Parce qu'il y a les voix officielles et d'autre part les peuples. Et ça, c'est, il faut travailler un peu plus, si on peut faire une chose plus commune. Ou si c'est le peuple qui fait toutes les choses et la caméra, il vient en second lieu. Oui, il y a des méthodes de la police qui sont complètement hors du temps. Et il y a personne qui a perdu les yeux. Il y a une quantité de balles qui ont llegado a los ojos. C'est pas possible de continuer avec ça. Ça alimente une guerre civile. Dans le cas Pinochet, j'avais interviewé à 12, 11 femmes qui sont victimes de violences, qui sont victimes d'agressions. Et ça, c'est la même chose qui passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui réclament parce qu'elles sont objets de viols ou de touchements et des choses horribles pour elles.